Coucou à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le temps de voir mon clip. En tout cas, si c'est le cas, j'espère vraiment qu'il vous a plu et j'aimerais bien voir vos avis dessus. J'espère que ça vous a plu. Et sinon, j'espère que vous allez bien. Dites-moi comment vous allez en ce moment. Magnifique, merci beaucoup. Ton clip est incroyable, merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. J'aime trop ton clip, j'ai eu les larmes aux yeux, ça me fait trop plaisir, merci beaucoup. Je l'ai dit, c'était dingue. Tous vos retours me font vraiment trop plaisir. J'ai pas eu le temps de tout voir, mais j'ai vu quelques petites vidéos, quelques petites photos et quelques petites stories et ça m'a vraiment beaucoup touchée. C'est vraiment trop trop gentil. Les décors, ta robe, ta voix, le tout combiné, c'est incroyable. Merci beaucoup. Ça se voit, t'avais envie de pleurer. Bah, c'est vrai que de filmer ce clip, c'était aussi un petit peu émouvant parce que l'histoire vraiment me touche particulièrement. Cette chanson est pour mon papy, donc forcément que j'étais un petit peu émue. Mais bon, ça va, j'ai réussi à retenir mes larmes quand même. Ton clip est juste incroyable, Val, bravo pour tout. Merci beaucoup. Mes larmes sont montées les premiers instants du clip, ça me fait trop plaisir, vraiment merci beaucoup. Vraiment bravo faire les décors et tout. C'est trop trop gentil, vraiment ça me fait super plaisir. J'avais tellement hâte qu'il sorte, je pouvais vraiment plus attendre. Et j'avais tellement hâte de dévoiler toutes les photos parce que j'étais trop trop fan de la robe aussi, je la trouve vraiment trop jolie. Donc j'avais vraiment trop trop hâte d'avoir tous vos avis et que vous puissiez enfin le voir, donc je suis trop trop contente. Le clip est incroyable, merci beaucoup. Je suis si fière de toi, c'est trop gentil. Hello Elisabetta, love you. Surtout la vibe du clip, c'est vrai que ouais, j'aimais bien l'ambiance, le décor, tout ça, c'était vraiment, je trouvais ça trop trop mignon. Et même l'enregistrement, tout ce qui est lié à cette chanson, pour moi c'était vraiment merveilleux. Et j'ai pu créer de merveilleux souvenirs aussi. C'était touchant, merci beaucoup. Je n'ai pas eu le temps d'aller voir le clip. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'aller voir le clip, vous me direz ce que vous en avez pensé après ce live, après l'avoir vu. Rayaya, fan de la robe, ah, moi aussi. C'est vrai que dès que j'ai vu la robe, parce que j'en ai vu plusieurs, et celle-là, je me suis dit, elle est trop belle, faut que ce soit celle-là et au final on a bien fait de la prendre parce que visiblement vous aussi vous l'aimez bien. Cette journée, vraiment cette journée, elle était incroyable. En plus j'ai de la famille sur Paris, j'ai ma petite cousine et ma tante qui sont aussi sur Paris. Donc ils étaient là aussi le jour du tournage, donc c'était super de les avoir avec moi. Il y avait ma maman évidemment, donc c'était vraiment une journée en famille, c'était des super souvenirs. Trop émouvant ta tenue. Ton clip, c'est vraiment trop gentil, je suis trop contente d'avoir tous vos retours, ça me fait trop trop plaisir. La robe elle est, ah vraiment. J'ai pas les mots, c'est magnifique. Tous vos retours, ça me fait trop plaisir, vraiment. À chaque fois, juste avant la sortie d'un clip, je suis toujours trop, j'arrive plus à attendre et j'ai toujours tellement hâte d'avoir tous les retours. J'ai vraiment, là je suis trop contente, je suis émue de... C'est vraiment trop gentil. Oh là, je sais plus quoi dire, j'en ai l'air malais. Je suis fière de toi et de ton parcours. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Mais ta petite cousine a été trop kiki. Oui, trop mignonne. On pourrait voir les photos qu'il y a par terre. Alors, il y en avait beaucoup, beaucoup. Je ne sais même pas si elles sont toutes dans mon téléphone. Je pense que c'est plus des photos que ma maman avait choisi de prendre. Mais voilà. En tout cas, j'ai encore pas mal de photos que j'avais prises ce jour-là à vous partager. J'ai trop hâte parce que j'avais pris des photos avec la robe et je les adore ces photos. Donc je pense que je vais les partager dans quelques jours, peut-être demain, après-demain. Et voilà, et j'espère que ces photos vous plairont. Mais en tout cas, moi je les aime beaucoup. Hi Valen. Ton grand-père est fier de toi. Merci beaucoup.
T'es beaucoup trop belle, merci. On t'aime trop, merci beaucoup. Tu en as fait quoi de tes photos que tu avais dans le clip? Dans le clip, il y avait pas mal de photos de moi et mon grand-père. Il y en avait même dans des cadres. Je trouvais ça trop beau. C'est toutes des photos qui sont en général dans mon téléphone ou sur les ordinateurs de la famille. Ta maman t'a bombardé de photos aussi. Bah oui, c'est moi qui lui ai demandé. Je lui ai dit surtout fais plein de photos parce que je trouvais la robe vraiment trop trop belle. Et aussi le maquillage, la coiffure, c'est des. Je les ai trouvés trop trop beaux, donc je voulais absolument prendre plein de photos pour mon Instagram. Brevet blanc, je précise. Ah, courage pour tous ceux qui ont eu leur brevet blanc. J'espère que vos résultats ont été à la hauteur de vos espérances et que ça s'est bien passé pour vous. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos messages. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais ça me touche vraiment beaucoup. Merci beaucoup pour tous vos retours sur le clip, toutes vos vidéos, toutes vos photos. C'est trop gentil. J'aime trop tes boucles d'oreilles. Ah, mais vraiment, mes préférées, je les adore aussi. Ta robe, ça me fait trop plaisir parce que quand je l'ai vue, je l'ai direct adorée. Donc le fait que vous aussi vous l'aimiez, je suis trop trop contente. Sinon, hors sujet, t'as changé de tel car la qualité de ce live. Non, j'ai pas changé, mais je sais pas, peut-être c'est la lumière, j'ai allumé une lampe. Et c'est vrai qu'habituellement, je crois que je l'allume pas. Et puis encore, des fois, quand je fais les lives, il fait déjà nuit. Là, maintenant, il fait jour, donc je pense que les jours, ils commencent à se, comment dire, allonger. Ta robe, elle est iconique, merci. Ça se voit, t'es grave adorable et tout. Merci beaucoup. La complicité que vous aviez, toi et ton grand-père. Ça me fait trop plaisir. Tu auras bientôt 13 ans. Oui, c'est vrai que j'ai trop, trop, trop hâte. Je compte les jours dans moins d'un mois. Mais en fait, là, j'ai surtout tellement hâte d'installer. Tu peux faire des live à deux, ça fait longtemps. Oui, promis, promis, je vous en referai. Il faut absolument que j'en fasse. Et où je vous invite. J'adore faire des lives comme ça. En plus, il faut trop que j'en fasse bientôt. Coucou mon chat, bravo pour le clip. Merci beaucoup. Mon anniversaire, c'est le 29 mars. Team Bélier. Ça se passe bien le collège, oui. Là, je viens de passer à 17 de moyenne, donc je suis très contente. Je me donne à fond et je fais de mon mieux. Le cadre derrière toi, il est trop joli. Merci. J'ai hâte de te revoir. Vraiment, j'adore tellement vous rencontrer. 29 mars. Alors moi, mon anniversaire, c'est le 6 avril. Mais oui, je répondais à un commentaire. Tu es trop mignonne. Merci beaucoup. Tu vas faire d'autres clips. J'espère vraiment. J'aimerais trop. Pour l'instant, il y a déjà celui-là. Mais c'est vrai que je dis pas non. J'adorerais. Et j'espère, j'espère. En tout cas, c'est pas impossible. Je vous dis pas non parce que j'aimerais continuer quand même le plus longtemps possible. J'aime tellement. T'as eu quoi comme récompense, tableau d'honneur, félicitations. Pour le collège, nous, ils nous ont supprimé les félicitations. On sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, bah, c'est pas grave. Gros bisous, Mathis. T'es incroyable, Valène. Merci. T'as fini à quelle heure? Alors moi ce matin j'ai fini à 10h25. C'est un peu inédit mais j'avais des professeurs absents donc j'étais plutôt contente pour cette journée. C'est une journée qui a bien commencé. Je me suis levée de bonne humeur en me disant que non seulement j'allais terminer tôt mais qu'en plus il y avait mon clip qui sortait donc j'étais vraiment trop contente ce matin. Un mot pour la team Valène, merci beaucoup, merci pour tout, vraiment. Merci, merci. Une tournée, j'adorerais, vraiment, j'espère trop, ce serait trop, trop bien. Les concerts, là, ça me manque tellement en plus de vous rencontrer, c'était vraiment une des meilleures expériences de toute ma vie, même si ma vie, elle vient juste de commencer. Mais pour l'instant, en tout cas, c'était
tellement, j'ai tellement adoré la tournée, c'était trop trop bien. Tu pourrais mettre ta tête plus haut pour l'enregistrement, s'il te plaît. Comme ça, ou bon, dites-moi en tout cas. T'es incroyable, merci beaucoup. Demain, il y a les portes ouvertes de mon collège et je vais faire visiter à des personnes. Oh, trop bien. J'espère une tournée. Ah, j'espère vraiment aussi, ce serait trop bien. Quand tu te mets à rire, tu bouges ton téléphone. Oui, c'est vrai. En tout cas, j'étais vraiment trop contente de discuter avec vous du clip. Et je suis trop contente d'avoir eu tous vos avis. Le fait qu'il vous ait plu, ça me fait vraiment trop trop plaisir. Et vos retours me touchent beaucoup beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Sinon, t'as pris quoi au goûter? Du thé, évidemment. Et un éclair au chocolat. I don't know French very well, but I love watch your lives. Thank you. Tu referas des séances dédicaces. Oh, j'espère vraiment parce que j'ai adoré les séances dédicaces. J'adore les faire. Bravo pour ton clip. Merci beaucoup, Gurvan. Bravo à toi et merci à toi. Merci pour tout et merci pour cette belle chanson. Je te fais de gros bisous. L'un des plus beaux clips que j'ai vu de toute ma vie. Ça me fait vraiment trop plaisir. Merci beaucoup, beaucoup. Une tournée, c'est mon plus grand rêve, enfin te voir en vrai de mes propres yeux. Oh, ce serait incroyable. T'es trop bien, merci. Coucou Angelina, je te fais de gros bisous, tu me manques trop, j'espère qu'on va se revoir vite et j'ai trop trop hâte d'aller voir ton clip dès que je finis mon live, je vais le voir. En tout cas, t'as l'air trop trop belle sur la vidéo que t'as postée hier. Gros bisous. Les séances dédiées où le micro ne marche pas, un val à Amiens. C'est vrai, il y a toujours, il y a toujours des petits imprévus. Mais franchement, c'était tellement bien les séances dédicaces. Ton live est trop trop bien. Merci beaucoup. Mais j'adore faire des lives, j'adore pouvoir discuter avec vous. J'aime trop. Je viens de le regarder, il est juste dingue, ta voix, ta robe, le décor, je sois, j'ai pas les mots. Merci beaucoup, ça me fait vraiment trop plaisir. Une autre surprise pour bientôt. Écoutez, j'espère. Vous verrez ça en tout cas sur mon Instagram. Pour l'instant, la surprise principale vient de sortir aujourd'hui. Mais j'essaierai toujours de faire des surprises, promis. Et nous, on adore ton live. Merci. Valine, je vais faire un édit avec des vidéos du new clip. Merci beaucoup. J'ai hâte de voir toutes vos vidéos. Ce soir, je pense que je vais essayer de regarder le maximum de vidéos. À chaque fois, j'essaie vraiment de tout regarder parce que j'adore voir les edits. Mais vraiment, en fait, vous êtes trop forts. Des fois, je suis vraiment choquée parce que enfin, j'arriverai jamais à faire ça. Même moi, quand je voulais faire des choses avec Ariana Grande, ça rendait jamais comme ça. Donc, merci pour tout. Vous êtes beaucoup, beaucoup trop forts. Et ça me fait trop plaisir de voir des vidéos à chaque fois. Je suis vraiment choquée. À chaque fois, c'est trop, trop joli. T'as poussé entre-temps, je trouve. J'essaie de grandir. Je sais. Mais c'est vrai que là, tout le monde me dit, ma famille en tout cas, ils me disent que j'ai grandi. Bon, je sais pas si je dois vraiment me fier à l'avis de ma famille, mais en tout cas, normalement, quand je m'étais mesurée, j'avais pris quelques centimètres, donc j'étais plutôt contente. T'es trop proche de nous, t'es incroyable, vraiment, merci. Mais pour moi, en fait, c'est normal parce que c'est comme si vous étiez tous une famille pour moi, parce que c'est grâce à vous et vraiment, je n'oublierai pas. Et merci, merci beaucoup pour tout. J'adore ton clip, il est magnifique, merci. Parfois ça bug. Oh mince. Tu as goûté le thé de Noël que je t'avais offert au concert d'Avignon? C'est oui, t'aimes bien. Je l'adore. Je l'ai pris cet après-midi. C'est vraiment devenu un de mes thés préférés. Il sent trop, trop bon. Merci beaucoup, beaucoup. La meilleure idole, je veux rien savoir. Merci. Merci beaucoup, ça me fait trop, trop plaisir. On a tellement de chance de t'avoir comme idole. Mais vous êtes vraiment trop gentils. En fait, vous êtes vraiment les meilleurs. Mais c'est trop, trop, trop. C'est trop gentil.
Moi qui fais 7h30 de route pour venir te voir. Angers, j'y suis retournée. Oh, c'est trop gentil, merci. On est d'accord, le thé. Ah, mais vraiment, le thé. Je suis censée réviser, je suis sur ton live. Écoute, moi ça me fait très plaisir que tu sois là, mais c'est vrai que quand même, je veux pas trop tarder dans tes révisions. Donc si jamais tu as vraiment besoin d'aller réviser, faut le faire quand même. Il faut vraiment se concentrer sur le collège, c'est quand même très important. J'espère tellement pouvoir te revoir vite. Ah, j'aimerais trop vous revoir très très vite. J'espère que je vais vous revoir vraiment super. Donne la ref de tes yeux et de tes cheveux. Alors, la référence de mes yeux, c'est ma maman, ma tata, ma mamie. Et la référence de mes cheveux, c'est mon papa. Parce que même si tout le monde me dit que je suis vraiment le portrait craché de ma maman, bah pour les cheveux, ma maman a les cheveux hyper fins. Et alors, moi, c'est ingérable tellement c'est épais. Donc, vraiment, comme ça, on dirait que c'est facile à gérer. Mais là, déjà, c'est parce qu'ils sont lissés. Mais de base, ils sont pas tellement comme ça naturellement. Et c'est très, très dur à gérer. Mais bon, quand même. Voilà. Quand même, je les aime bien. Et du coup, mes cheveux, c'est plus pour. C'est plus du côté de mon papa qui avait lui plus les cheveux épais. Mais ouais. Je sais pas trop si je les aime bien ou pas. Parce que des fois, le matin, quand je me réveille, j'ai pas trop la force de les gérer. Dès 7h. Bon, j'ai un peu dévié sur le sujet quand même, qui était quand même de parler avec vous du clip, et j'en reviens à parler de mes cheveux épais, mais bon. En tout cas, pour revenir au clip, de lire tous vos retours, là, ça me fait trop 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 plaisir. Tu pourras faire un tuto de tes ongles sur TikTok. Ah, dès que j'installe TikTok, je ferai plein de choses. Promis. Valène, tu verrais, mes cheveux, ils sont hyper épais. Ah, mais vraiment. Mais on se comprend, parce que les cheveux épais, c'est trop dur à gérer. Ma force au quotidien. Ça fait un beau mélange. Bah, je suis un mélange de mon papa, quand même un peu plus de ma maman. Même pour le caractère, j'ai vraiment quasiment tout pris de ma maman. Mais j'ai quand même pris certaines choses de mon papa. Je crois que j'ai le nez de mon papa et je crois que j'ai ses cheveux. Mais je crois que c'est tout. Tu as bien reçu les lettres. Alors, j'en ai reçu quelques-unes la dernière fois. D'ailleurs, je voudrais remercier mes idoles pour les livres sur Ariana Grande. Je l'aime trop. Et c'est trop, trop, trop gentil. Merci beaucoup. Et en général, quand je vois ma maison de disques, ils peuvent me donner les cadeaux ou toutes vos lettres. Et là, j'en avais reçu quelques-uns la dernière fois. Et ça me touche tellement. C'est adorable. Ils sont magnifiques, tes cheveux. Merci. Parlons astrologie, Valène. Sachant que les Gémeaux, c'est les meilleurs signes. Alors, si tu veux parler astrologie, je vais plus te dire que les meilleurs, pour moi, c'est les Verseaux, les Balances. Et mon signe, quand même, mon signe. Et j'aime beaucoup les Vierges aussi. En fait, j'adore tous les signes. Hein. Vraiment, je suis très indécise et je m'entends bien avec toute la Terre. Donc, enfin, c'est pas que je m'entends bien avec toute la Terre, mais peu importe le signe, en général, je suis amie avec tous les signes du zodiaque. Je pense que j'ai plein de gens dans mon entourage qui sont de signes différents. Mais mes préférés, c'est les Verseaux. Voilà. Non, les Verseaux, voilà, c'est ça, c'est les Verseaux. Voilà, donc on a vraiment dévié sur le sujet en parlant de signes astrologiques et de cheveux épais et de boucles d'oreilles et de collège et de tout ça. Parlons série. Ah, mais je vois que vous aimez les sujets que je vous propose, mais voilà. Mais non, mais sinon par rapport au clip, tous ces souvenirs, même surtout l'enregistrement de la chanson, c'était tellement incroyable de pouvoir être avec Amir, avec Gurvan, et ce jour-là, c'était de pouvoir l'enregistrer. En plus, c'est vrai que là maintenant, ça fait un petit peu plus longtemps que la chanson est sortie, mais à ce moment-là, quand j'ai enregistré la chanson, je l'avais reçue, je sais pas, quelques semaines avant, donc c'était encore tout frais pour moi et c'était super, super émouvant, mais franchement, c'était une super journée. Prends la pause, Val. Moi, je suis Sagittaire. Ah, bah, tous les signes de feu, on se sait, on se comprend. Voilà, en tout cas, j'adore vous parler, je suis trop contente. Le tournage du clip, c'était une de mes meilleures journées. Ah, moi aussi, j'ai adoré. J'ai adoré, surtout le moment du goûter avec les nounours en chocolat et les bonbons piquants.
Non, mais j'ai tout adoré dans cette journée. J'ai tellement aimé le moment où j'étais entourée. Vous savez, si vous avez vu le clip, en tout cas si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir à la fin. Mais j'ai tellement adoré le moment où il y avait les cartes, enfin toutes les photos et que j'étais au milieu. Et ça, c'était très émouvant aussi, mais j'ai adoré ce moment. Tu as une famille en orgue? Merci. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de chance. Parce que ma famille est tellement, ils sont tellement gentils et tellement présents et tellement là pour moi. Oh mince, je crois que j'ai fait bugger un petit peu. Are you going to come in Poland? I hope. Ah, il vient de se mettre à pleuvoir. Alors moi, il pleuvait et il s'est arrêté de pleuvoir. Pile à ce moment-là. Pile au moment où j'ai commencé mon live. Remarque, c'est bien parce que de ma chambre, on entend pas mal les bruits de pluie. Donc c'est pas très pratique la nuit. Mais non, mais là maintenant, tant mieux, ça s'est arrêté. La famille, c'est tellement important. Come to New York. Yes, I want to come to New York and I want to see you. Merci pour tout, Benjita. Merci à vous. Merci à vous. En fait, c'est vraiment tout ça, c'est grâce à vous parce que sans vous, merci à vous, vraiment. Ta matière préférée, alors ça, je me dois de répondre à cette question. C'est l'histoire géo, mais en plus, j'ai déjà répondu plusieurs fois, mais à chaque fois, je vais répondre parce que ma professeure est incroyable, incroyablement drôle, incroyablement géniale. Vraiment, je l'adore. Tu nous montres ton outfit. Alors aujourd'hui, j'avais un jean bleu. Et ça, c'est une chemise plutôt sympa. Et ces petites boutons. Ouais. Et sinon, mon jean bleu, bah, c'est un jean bleu plutôt simple. Juste un petit peu large. Voilà. J'adore l'histoire. Ah, vraiment l'histoire. Incroyable. Tu parles bien anglais. Merci beaucoup. J'essaie de m'améliorer. Mais tout ça, c'est vraiment grâce à Pétard. Parce que, comme je l'appelle tout le temps, et bah, grâce à lui, j'ai vraiment fait des progrès en anglais. Je suis super contente. Perso, les SVT, ma phobie. J'aime beaucoup les SVT. Ah non, mais vraiment, en tout cas, j'adore. SVT, ma phobie. Mais non, j'aime bien la SVT. Les maths, c'est sympa. Mais c'est juste quand t'as pas compris les maths. Mais sinon, quand t'as compris les maths, c'est super. Désolée, mais techno. Mais oui, j'aime bien techno, moi aussi. Alors, le livre d'Ariana Grande, c'est un livre documentaire. J'ai oublié le nom de l'auteur, mais la couverture est tellement belle en plus. Et le livre, il est trop, 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 trop bien. En fait, ça retrace toute son histoire et c'est incroyable. Ouais. Genre, j'ai vraiment dévié sur tous les sujets. Mais bon, c'est toujours tellement bien de parler avec vous parce qu'on se comprend tous, nous avons les mêmes centres d'intérêt. Le sport, par contre, je suis d'accord, le sport, c'est non. Le sport, c'est non. Non, mais c'est pas que c'est non, mais ça dépend duquel. Moi, j'aimais bien le badminton, j'aimais bien le tennis, tout ça. Mais quand il s'agit d'athlétisme ou... Là, en ce moment, on fait acro-sport, c'est plutôt drôle. Mais quand il s'agit de handball, basket, je peux pas. Je peux pas. Métier que tu aimerais faire plus tard. Alors vraiment moi j'adorerais tellement, je veux en fait, je vois pas ma vie demain sans le chant parce que aujourd'hui je sais pas, c'est vraiment, je me sens tellement apaisée quand je chante et c'est tellement, j'aime tellement que j'espère que vraiment je pourrais le faire toute ma vie. Mais si jamais, parce qu'avant je disais que au pire je ferais des études de médecine, mais alors ça c'était avant que je découvre la physique chimie. Et depuis que j'ai découvert le bloc littéraire, l'histoire, tout ça j'adore. Et du coup maintenant je me dis que peut-être que je devrais m'orienter vers des études de droit. Je déteste ce sport. Vous êtes vraiment tous pareils que moi. C'est génial.
Mais bon, quand même, mon professeur de sport est super gentil. Hein. Donc, c'est pas par rapport à lui, vraiment. C'est par rapport à depuis que je suis petite que j'aime pas le sport. Voilà. J'ai 2 € pour le bac. Oh, courage à tous pour le bac. À tous ceux qui le passent cette année. Vraiment, j'espère que ça se passera bien pour vous. Mon sport préféré, c'est la danse. C'est vrai que j'adore la danse aussi. Hein. J'en ai fait quand j'étais petite. Ça, c'est vraiment un sport que j'aime bien. Un des seuls. Mais piscine. Ah, c'est vrai que piscine. J'adore la piscine. J'adore la mer. Mais piscine au collège, ou à l'école, c'est un peu particulier quand même. C'est quoi ta meilleure série? Alors moi j'adore Gossip Girl, Pretty Little Liars, mais depuis peu, depuis que j'ai vu, je suis tombée amoureuse de la série Les Demoiselles du Téléphone. C'était incroyable, vraiment incroyable. Non mais c'était super et donc je vous la conseille si vous l'avez pas vue. C'est sur Netflix. Il y a une grande araignée chez toi? C'est vrai? J'espère pas. Un soir, j'ai fait du basket. En fait, je suis trop petite pour atteindre le panier, c'est pour ça quoi. Ton anniversaire est presque. Oui, mon anniversaire arrive vite, j'ai tellement hâte. Ah, vraiment, je ne peux plus attendre, je ne peux plus attendre. J'ai trop trop hâte. En plus, mon anniversaire, c'est le mercredi et le vendredi, je suis en vacances. Donc, c'est trop trop bien. Tu as vu Teen Wolf ou Stranger Things? J'ai vu les deux. Ton clip est magnifique, Baleine. Merci beaucoup. Donc en tout cas, pour ceux qui l'ont pas vu, j'ai hâte d'avoir vos retours aussi. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Et j'essaierai de regarder un maximum de messages. Et j'essaierai de vous répondre aussi un maximum. Mais voilà, en tout cas, j'étais super contente de discuter avec vous et d'avoir vos avis sur le clip. Ça m'a fait trop 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 plaisir. C'était trop trop bien. Et en tout cas, on se reparle vite. Je vous refais vite les lives. Et il faudra absolument. Pouvez-vous dire s'il vous plaît? Mais en plus, j'ai appris un petit peu de polonais parce que j'ai un petit carnet où j'essaie d'apprendre pas mal de langues. Et donc, Kocham was Polska. Love you. Donc en tout cas, je vous adore et merci beaucoup pour tous vos retours. Et je vous fais de gros 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 bisous.